make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Salut, c'est R442. S'il y a bien une musique que vous connaissez à peu près tous, c'est Get Lucky, interprétée par les fameux et célèbres Daft Punk. Les Daft Punk sont depuis longtemps célèbres pour leur musique électronique, mais ce qui les rend encore plus célèbres, ce sont bien évidemment leurs casques de robots qu'ils portent depuis des années et des années. Les Daft Punk, c'est un succès planétaire avec des millions de disques vendus, 2 nominations aux Grammy Awards, ainsi que bon nombre de concerts menés dans le monde entier. Qui sont-ils vraiment? Comment ont-ils réussi à obtenir un succès comme celui-ci? Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le parcours de deux musiciens au visage robot. Ces derniers temps. Je suis pas très spécialiste. Disons qu'on a été dans cette bulle de cet album pendant les 5 dernières années. Et c'est vrai que il y a finalement, que ce soit en France ou ailleurs, il y a toujours des trucs sympas, mais de façon consistante où il y aurait un artiste ou un groupe où tout un album soit complètement une claque. Ok, avant toute chose, il faut savoir que les Daft Punk, c'est un groupe de musique électronique français. Beaucoup de monde pense que le groupe de Daft Punk est américain. Cependant, détrompez-vous, ils sont bel et bien français, originaires de Paris. Les Daft Punk, de leur vrai nom Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, sont depuis 1993 actifs dans le monde de la musique. Ils participent d'ailleurs à la démocratisation du mouvement de la musique électronique baptisé French Touch. Il faut savoir que les Daft Punk sont les artistes qui s'exportent le mieux à l'étranger, et cela depuis la sortie de leur premier vrai succès qui fut Daft Punk en 1996. Ok, maintenant nous allons remonter jusqu'en 1987 où tout commence. La rencontre des deux jeunes hommes, à savoir Thomas Bangalter et Guy-Manuel, se fera au lycée Carnot à Paris en 1991. 4 ans après leur rencontre, ils décident de former un groupe de rock nommé Darlene. Ce groupe sera l'opportunité pour eux de découvrir la musique et sera le début d'un grand succès. Grâce au groupe Darlene, ils enregistrent leur premier single nommé Darlene et Shield Soloed. Leur premier single n'est pas un énorme succès et se vend à quelques milliers d'exemplaires seulement. Cependant, en 1993, Thomas et Guy décident de former enfin le duo Daft Punk et ils décident de se lancer dans la musique électronique, en intervenant d'abord dans des rave parties à visage découvert. D'ailleurs, il y a quelques vidéos qui circulent sur le net, je vous les montre tout de suite. Un an plus tard, le duo Daft Punk sort son premier maxi 3 titres qui sera The New Wave.
Malgré l'échec de leur premier single dans un groupe de rock, le duo Daft Punk retient l'attention de quelques journalistes et critiques anglais avec le titre The New Wave. En 1995, soit 2 ans après, les Daft Punk sortent le maxi électro-rock Rolling and Scratching. Le titre rencontre alors un grand succès et se répand dans les clubs d'Europe. En cette année 95, Thomas crée son label nommé Rouler, sur lequel il sort le titre Tracks on Day Rock. Et c'est à ce moment que les Daft Punk ont commencé à être vraiment reconnus. Peu après cette reconnaissance, ils participent d'ailleurs aux Chemical Brothers à Londres et participent également à la 17e édition de Transmusical de Rennes, où ils sont repérés par la maison de disques Virgin. Le 7 janvier 1997, le duo Daft Punk sort son premier album nommé Homework, qui se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans 35 pays différents. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'année 2001, où le duo Daft Punk prend vraiment forme et laisse place à une voix transformée grâce à ce qu'on appelle un talkbox. Ils obtiennent alors 2 nominations aux Grammy Awards en 2001, et c'est à cette époque que les Daft Punk se montrent casqués. En 2006, après de nombreux singles, le duo Daft Punk sont élus meilleurs DJ au monde par le Mixmag et enchaînent les titres. Ils iront même jusqu'à jouer la musique du film Tron l'héritage. Les Daft Punk ont réussi à acquérir un immense succès, mais ce qui fait leur réel succès, ce sont leur anonymat. Alors bien sûr, il existe quelques photos d'eux jeunes sur le net, mais aucune photo d'eux maintenant sans leur casque n'existe. Certains experts se sont donnés pour défi de reconstituer leur visage pour avoir un aperçu de ce qu'ils sont vraiment. Mais toutes les reconstitutions n'empêcheront pas à Daft Punk d'être anonyme et d'avoir un succès planétaire. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire sur les Daft Punk. Abonnez-vous pour être au courant des vidéos qui sortent, likez la vidéo car cela m'aide beaucoup, et salut tout le monde !